Bonjour et bienvenue dans le 113e épisode du Let's Play sur Gothic 3. Alors je refais un petit tour pour voir, pour être sûr. Non, c'est pas ça. Cette fois, je vais mettre un terme à la recherche, ou du moins temporairement. On va aller au temple. On va faire un peu d'action. Et les trois trucs qui me manquent. Je les ferai pas Viens hors avec moi, caméra, on y va. mais je chercherai hors caméra, puis je vous mènerai où ils sont. C'est bien. On va au temple, hein. Je crois qu'il m'en manque plus que trois des trucs. Là, il en faut 7, là il en faut 10, donc en fait il m'en manque que 2. Alors, le temple, il est en face. Est-ce qu'il faut que je le vise? Attends. Cela dit, ça m'empêche pas de jeter un œil par ici. Hein. J'ai déjà fait. On descend. Allez, viens. Allez. De l'action qui se précise. Ou alors c'est parce que j'arrive à une zone où ça va cartonner. Apparemment, je vais avoir besoin de 5 clés pour ouvrir cette porte. Oh, quelle surprise! Et qui l'eût cru, ça fonctionne. Waouh, bah ça commence, voilà. Et puis l'autre là qui les laisse passer. Faut que j'en touche un, faut que j'en touche un. Ah, tu l'auras cherché! Oh. Ah. Oh, bien joué! Allez, allez, occupe-toi-en. Occupe-toi-en, pendant que je me soigne. Mais attendez, ils étaient pas censés m'aider, les autres, là? Merde, je pensais que j'avais... Misérable bête! J'ai jamais utilisé l'option donner potion. Ils en ont finalement pas besoin parce que ils perdent assez peu de vie ou alors ils meurent. Bon. Alors. Ils auraient pu faire des temples un peu différents quand même. Allez, encore des squelettes. Allez, allez. Tiens, on va en attaquer un. Est-ce qu'il va comprendre le message? Non. Voilà, il y en a avec des flèches. Tu l'auras cherché. Vas-y, vas-y, mon bonhomme. Ouais, bah, fais attention quand même. Hein. Ah, allez, dégage, dégage, dégage. Dégage, 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 dégage. Oui, bon. Moi, j'aimerais bien qu'il me laisse le temps de me soigner. Allez, ma potion, ma potion, ma potion, ma potion, ma potion. Voilà. Sur moi. Voilà, bon. Hop.
Obligé d'y aller un peu à la bourre, hein. Merde. Allez, ma potion, ma potion, ma potion, ma potion. Allez, 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 allez. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Ouf. Voilà, allez. Oui, oui, c'est bon. Ah bah. Est-ce que... Je hais ces bestioles. Oui, sauf que c'est pas franchement des bestioles. Bon, ça fait du bien. On va ramasser un petit peu tout ce qui traîne. Voilà, hop. Bon, on va se manger un petit peu de pain. On va sauvegarder. Mais ils étaient pas censés venir m'aider, là, les mages, là. Ah, puis fait chier parce que l'autre il attaque pas si j'ai pas attaqué moi ou si je me suis pas fait toucher. Ah bah évidemment. Ces bestioles. Bon. Épée. Ouais, je pourrais ramasser ça plus tard, mais bon. Allez, on sauvegarde. Il y a un gong. J'ai envie de taper sur le gong là. Ça marchera pas, mais j'ai envie. Il y a tap 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 tap. Prends ça, vermine. Putain, si t'arrêtais de taper dans le mur comme un âne. Ah putain, il me touche. Mais tu vas le finir. Finis-le, bon sang. Bon. Hop. Voir où t'en es, toi. C'est bon. Hop. Un petit F5. Non. C'est pas toi que je voulais. C'est pas toi que je voulais. Squelette. C'était un archer, donc. Je préférerais qu'ils mettent des zombies ou des momies. Oh là. Ouais. Oui. Ah putain. Là j'en vois une de momie. Est-ce que c'est la même configuration que le temple de Morasoul avec le grand prêtre qui est pas loin? Merde. Ah, arrête de bouger, saleté.
Ah, c'est bon. Attaque, elle attaque. Oui. C'est le grand prêtre. Alors attendez, je vais faire une sauvegarde là. Il n'est pas la sauvegarde rapide au cas où. Ah bon. Est-ce que je vais taper dans le tas ou pas? Mais là, c'est gênant parce qu'on est dans... Ils sont dans la porte là. Je pourrais pas passer. Je risque de me faire allumer si j'y vais. Eh hey, mais tape-le, bon sang! Recule, 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 recule! Putain! Ah là là, puis c'est... Mais il voulait pas le taper, putain, c'est pas vrai! J'ai fait une erreur, en fait. J'aurais pas dû prendre l'épée là. Mais est-ce que je vais essayer de me le faire à l'arc pendant que l'autre l'occupe? Je vais essayer cette stratégie là. Mais encore une fois, le problème c'est qu'ils sont dans l'espèce de petit couloir là. Ah mais merde. Tu l'auras cherché. Oh non, je vais y aller. Allez, oui. Allez, il est fini. Il est fini, il est fini, il est fini. Non. Voilà, c'est bon. Misérable bête. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ah putain, si j'avais eu l'aide, j'aurais pas essayé 17 fois. Plus ceux de la partie d'avant. Pour le premier grand prêtre que j'ai rencontré. Ah ben finalement, je pense qu'on va repartir pour une nouvelle séance d'exploration, parce que à moins que ça ne soit pas fini. Ouh là, ça va ramer un peu. Non, c'est bon. Ouais. C'est pas ce qu'on cherche, il est pas là-dedans. Est-ce qu'il n'y aura pas encore une autre? Non. Sans la musique me préviendra s'il y a quelque chose. Ah, 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 ah. Oui, oui, oui. Donc, le truc n'était pas fini. Bon, c'est déjà ça. Ah. Ah oui. Ah oui. Ah, problème. Problème, problème, problème. Faut que j'aille à la sauvage, là. Pendant qu'il lui lance... Oui, c'est celui-là dont je me rappelais. C'est celui-là dont je me rappelais que j'avais beaucoup de mal. Je crois. Pardon. Mais alors, ça veut dire que je l'avais ouvert, ce temple-là. Oh, ils sont, oh là, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup.
Ah oui. Non, mais là, c'était... C'est de la folie, là. Ah, puis en plus, je peux même pas... Ou alors, il faudrait que j'aille m'occuper du... Oh, je vais galérer, là. Je vais galérer, là. Ah, je peux même pas... Il faudrait que j'aille m'occuper du squelette. Enfin, remarquez, de toute façon, comme je recharge la partie, on va pas être dans la même configuration. Sortir. Là, je vais galérer là. Là, je vais galérer. Attendez, je vais voir ce que ça donne en prenant du champ pour on va voir ce que ça fait. Ah bon, c'est bon. Bien. Oui. Allez, va t'occuper du squelette. Non, tu Mais va l'auras t'occuper du cherché. squelette. Vas-y, vas-y. Bon, pendant ce temps, je sauvegarde. Je pense qu'on sera plus à l'aise si, s'il y a de moins en moins de squelettes. Ah là, il y a quand même trois grands prêtres, hein, dans celle-là. Sous réserve qu'il n'y en ait pas d'autres. Ouais, je pensais que je l'aurais fini en 10 minutes. Allez, voilà. Ah putain. Ah là, c'est pas vrai. Un squelette qui est dans le coin aussi. Ah, il s'est soigné, le salopard! Oui. Bon, on va y aller, tant pis, hein. Oh, il marche tout calmement. J'ai même pas pensé à me soigner. Ouais. Bon, bah voilà. Oh putain, on l'avait presque eu, puis il s'est soigné. Salopard. Ah là là. Ah, puis il était entre, il y avait Lester entre le grand prêtre et moi. J'avais du mal de le viser. Eh ben, quand t'arrêteras de brûler Lester, hein, peut-être que je pourrais viser. Bon, attendez, je vais
Allez me faire le squelette. Hé hey Lester, tu pourrais venir m'aider? Oui. Oh, attendez. Là, je vais sauvegarder. Parce que là, j'en ai eu un. On va y aller petit à petit. Ah, c'est chaud, là, c'est chaud. Ça rattrape les deux épisodes ou trois épisodes d'exploration qu'on a eu précédemment. Et puis en plus on est dans le noir. J'ai quand même pas m'amuser à prendre une... Ah, attendez. Est-ce que je pourrais pas... Qu'est-ce que j'ai comme... Chasse, mais c'est pas de la chasse qu'il me faut, c'est de la force. Oui, ça... Voilà, ça... Ça c'est bon. Ouh là là, recule. Recule. Ouf. J'avais pas fait gaffe que j'étais court en vie. Est-ce que je vais pouvoir tirer à l'arc dans le noir? Attends. Il est sorti là. Allez, vas-y, Lester, tape! Putain, je vois que les bâtons. Oui! C'est bestiole! Oui. Oh, ça fait du bien, ça. Oh, ça fait du bien, ça. Ouh. Bon, ça. Oh. Bah voilà, c'est... Encore une fois, j'ai moins galéré que je ne l'appréhendais. Ah, ça n'a pas été facile, hein, loin de là. Mais bon, c'est quoi les particules? C'est de la poussière? Ah oui, c'est cette zone-là qui... Attends. Ah. Ça ressemble pas à quelque chose de complètement vide. Encore là. Bon, c'est vide. Ouf. Oh bah. Ah bah voilà, c'est ça. Voilà. Oh oui. Ah, il me faut savoir des anciens requis 300. Ah là 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 là. Tiens, image des eaux. C'est quoi comme compétence, ça? Enfin, tu l'as trouvé. Maintenant, fichons le camp d'ici. Oui, allez bien. Attendez, je regarde un petit truc. Compétences, mage des... Ah, ça doit être ça. Mage noir, mage des... Ah, d'accord, ah, et je l'ai jamais fait, ça. Je ne l'ai jamais fait. Ah, j'ai jamais... Le seul truc que j'ai fait, c'était ça. Les bâtons et tout ça, je me suis jamais préoccupé de ça. Bon. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Non. Bon, ben, on va aller voir Satura. Ou Sakura. Je sais, je l'ai déjà fait dans l'épisode précédent, mais je me rappelle vraiment pas. Voilà. C'est la torche de Sochi, j'ai pas réussi à trouver le chemin. Ah, bon. Ah bah voilà, oh, ils ont été vachement utiles. Peut-être que j'aurais dû lui demander de venir.
Si ça se trouve, il suffisait de leur demander de venir. Bon, maintenant, il faut que je retrouve. Il faut que je retrouve. Attends. J'ai l'impression que la place. On venait de là-bas plutôt. J'essaierai de regarder sur une sauvegarde quand j'aurai fini l'épisode là pour voir si on pouvait pas leur demander d'y aller. Parce que là, ça aurait été du gâteau. Surtout que je vais pas dire que je me moque qu'ils survivent ou pas. Aucun gars. Mais disons que ça m'aurait moins gêné que qu'un des nomades meure. Ah, j'ai des alliés, hein. J'ai pas du tout envie qu'ils perdent, mais disons que j'ai besoin de l'ester. Pour mon confort personnel. J'ai trouvé l'artefact. Je vois qu'une fois encore, tu es arrivé à tes fins. Tu dois amener l'artefact en lieu sûr, désormais. Et que comptes-tu faire maintenant? Que crois-tu, mon ami? Ton excursion à l'intérieur du temple a libéré un mal bien plus puissant que je ne l'aurais jamais cru. Quelqu'un va maintenant devoir veiller à rétablir l'ordre naturel des choses. Et ce quelqu'un sera certainement moi. Parlons un peu des artefacts divins. À ta guise, que souhaites-tu savoir? À quel dessein puis-je les utiliser au juste? Cela dépend entièrement de toi. Bien que je n'aie guère voulu le croire au début, cela me semble désormais évident. Il revient à toi seul de prendre cette décision. Ainsi que la décision entre Beliar et Innos. Cela, Xardas me l'a également dit. Comment puis-je décider de la cause que je souhaite soutenir? Ah, je suis un serviteur d'Adanos. Cela, tu devras le découvrir par toi-même. Xardas a évoqué un troisième choix. Oh, vraiment? Eh bien, tout semble indiquer que Xardas disait cela le plus sérieusement du monde. En revanche, il n'a jamais été réputé pour dévoiler son jeu à tout un chacun. Va lui parler, il ne te tuera pas. Du moins, je l'espère. Très encourageant. Et que compte faire Xardas, selon toi? Xardas détient la puissance de deux dieux. Cela justifie, à mon sens, une grande méfiance à son égard. Pourtant, je dois admettre que Xardas m'a déjà étonné à plus d'une occasion. Je pense qu'il incombe à toi seul de prendre ta décision. Accomplis ce en quoi tu crois. Et surtout, ne laisse personne influencer ton choix. Oui, démerde-toi, en gros. Qu'est-ce que je vais peut-être prendre de la vie. Peut-être acheter de la vie. J'aimerais bien comme résistance au froid. Oh, ou peut-être pas, non, la résistance au froid, je. Donne-moi de la force vitale. Bien. Continue ainsi. Ouais, bon, c'est bon. Ça va. J'ai un peu plus de vie, ça fait du bien. Bon, il faut en enlever 50 hein, à cause de la. Alors attendez, 1, 2. Ah, je suis con, j'ai ça contre les maladies. Ah, mais j'en ai 3 ou 4 des. Il me semblait que j'avais gagné une amulette. Bizarre ça. Ah, amulette d'Adamos. Ah, puis celle-là, elle est pas mal, ça. Ah, j'aurais pu la mettre aussi, elle m'aurait rendu service. Bon. Je me demande si dans le prochain épisode, je vais pas aller chercher le cinquième artefact. Puisque maintenant que j'ai une pierre de téléportation, je pourrais venir finir quand je veux, là. Ah, bah tiens, c'est. Encore une. Hop, plus 6. Ah, c'est celle-là. Bon, sur ce. Je vais mettre un terme à l'épisode. Je pense que l'épisode là aurait été pas mal. On s'est bien sorti. Encore une fois, hein, tout seul, ça aurait été une vraie galère.
là avec un aide, il occupe le truc pendant que moi je me prépare ou je vais me soigner, ou alors j'attaque dans le dos. Vraiment tout seul, j'aurais mis un temps fou pour réussir. Il y avait trois grands prêtres. Quand on pense au mal que j'avais eu à me débarrasser d'un tout seul, bon, même si j'étais moins fort, malgré tout, hein, je suis pas devenu un cador depuis que je l'ai battu. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, en espérant vous retrouver la prochaine fois. Merci, au revoir.